merci parce que vous donnez le meilleur exemple que ce que tous les BTS et tous les étudiants cherchent à montrer. On se retrouve face à un mur. Vous nous demandez limite de vous remercier, de nous donner le bac en présentiel. Mais bien sûr, mais vous disiez, on va vous donner la chance. Vous allez être fier de votre travail. Vous souriez, ce sourire, c'est celui du mépris qu'on se prend depuis 3 mois alors qu'on essaie de vous expliquer qu'il y a mille et un problèmes. Il y a mille et un problèmes. Vous organisez le chaos. On vous dit, il y a une solution, c'est le contrôle continu. Et vous refusez le contrôle continu pour une seule raison. C'est parce que si vous acceptez le contrôle continu, vous admettez que Blanquer a foiré sa politique. Politique. Alors, vérité, il y a nous, et ça, c'est votre responsabilité. Non, mais quand vous voulez, on parle politique. Apparemment, vous êtes un expert. Meilleur que vous, apparemment. Oui, oui. Est-ce que vous pensez vraiment que quand on a du 100% contrôle continu, la valeur du bac est la même quand vous êtes à Saint-Jean-de-Passy ou quand vous êtes dans un lycée de Seine-Saint-Denis? Est-ce que quand vous dites « je viens de Seine-Saint-Denis », est-ce que vous pensez que en dehors des situations particulièrement dramatiques, est-ce que vous pensez pas que le fait de proposer des épreuves, une ou deux épreuves finales à des élèves, c'est mettre tout le monde sur le pied d'égalité? Quel que soit votre lycée, quel que soit votre département, quel que soit votre nom de famille, quelle que soit votre adresse, là vous êtes tous sur le pied d'égalité. J'ai juste une chose à vous dire. Il y a trois ans, j'étais sur des plateaux télé à vous dire exactement ce que vous êtes en train de dire sur l'inégalité des notes entre établissements. Vous avez voté Parcoursup. Vous tenez exactement le discours inverse.